Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors oui, si vous voyez que la chambre, tout ça ne change pas trop, c'est normal, j'essaie de tout filmer le dimanche, j'essaie de m'avancer un maximum, donc si vous voyez que ça change pas trop, que ce soit d'un point du vêtement ou des trucs de genre, c'est normal, je filme plus le jour, j'essaie vraiment de m'avancer à mort, voilà, donc là j'essaie quasiment de faire toute la semaine sur mon dimanche. Donc en avant tout, pour ce début du mois de février, qui m'a l'air assez chargé mine de rien. Adjournée Beyond Heaven, volume 6, je ne connais que très vaguement, donc pour le coup non. Black Clover, volume 30 déjà, on est déjà à 30 tomes, série que oui j'adorerais pouvoir continuer. J'ai un gros retard sur la série, j'adorais, j'étais très très fan de cette série là. Blue Giant Supreme, volume 7, je n'ai pas lu mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Blue Lock, volume 6, pas lu également. Shiruran, volume 6, pas lu. Classroom for Heroes, tiens, c'est volume 12, je pensais que c'était fini. C'est marrant, je pensais que c'était le dernier tome pour Classroom for Heroes. Puisque sur le 11e ou 10e tome, je sais plus, on voyait une image de célébration de mariage, plus ou moins. Mais c'est pas plus mal. Pareil, j'aimerais bien reprendre la série. Je sais plus trop où j'en étais, mais je crois que j'en étais de mémoire au 6e ou 7e tome. C'est une excellente série que je vous conseille fortement. De l'autre côté de l'horizon, volume 3, dernier tome, je n'ai pas encore vu pour le coup, Delcourt Duncan. Désert 9, volume 1. Ok. Ouais, nouveau titre de Nobi Nobi. Tiens, c'est toujours marrant de voir des titres comme ça chez Nobi Nobi. Terminé en 4 tomes. Un peu court, je pense, ce genre de truc. Sur une planète désertifiée depuis 1000 ans, l'eau a pris vie. Elle s'est changée en monstre nommé Hydra, le jeune Mao habitant du premier des 8 déserts qui comptent ce monde et ce qu'on appelle un chasseur d'eau. Ça m'était dangereux mais vital pour les humains qui consistent à abattre les hydras pour apporter le précieux liquide. Un jour, lors d'une chasse dans une oasis, il trouve une mystérieuse relique au pouvoir extraordinaire. Celle-ci le met rapidement dans la piste, sur la piste de son père, un rêveur qui a disparu lors de la conquête du mystique désert numéro 9. Le pays originel, oublié de tous, Mao décide alors de suivre les traces de son père et entreprendre un périlleux voyage vers le monde extérieur. Pourquoi pas en vrai, c'est vrai que le speech est assez intéressant. Après en 4 tomes, encore une fois, c'est un petit peu particulier. Eden Zero volume 18, j'ai un gros retard sur cette série là, j'aimerais bien reprendre. Très belle couverture de Bunny Girl d'ailleurs au passage. Non mais de toute façon quand j'aurai déménagé je vais reprendre, il y a beaucoup de séries que je vais rattraper je pense. Orion volume 4, j'ai zappé totalement la série, j'avais un tout petit... Je crois que j'avais lu le premier tome et je m'étais arrêté là. Peut-être à continuer à l'occasion. I'm Standing on a Million Lives, volume 4. J'ai pas encore lu le 3, c'est une série que j'ai beaucoup aimé l'animé. Je suis moins fan du dessin manga, mais du coup j'espère pouvoir voir un peu plus que l'animé, donc on verra bien. In the Land of Laedal. Au passage, il y a l'animé qui est sorti là, mais qui est encore en cours, qui n'est pas fini d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Réincarné 200 ans plus tard dans le monde virtuel de Liadal, après avoir perdu la vie suite à un terrible accident, Kaina Kagami se réveille dans le corps d'une haute elfe de nom de Kaina. Ce n'est pas autre que le personnage qu'elle a été créé sur Laedal, un jeu de rôle en réalité virtuelle auquel elle était souvent connectée, mais il semble que 200 ans se soient écoulés depuis l'époque où elle jouait. Sa première quête consiste donc à comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces années, elle n'est pas au bout de ses surprises. Et oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et c'est de chez qui? C'est Doki Doki. Sachant que Doki Doki et Ototo, souvent il y a quelques soucis, on verra bien. Série encore en cours, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai pas vu l'animé. L'animé me tentait moyennement, et le manga, par contre, je pense que je le prendrai. Keiju numéro 8, volume 3, je sais même pas si ça a fonctionné plus que ça. Je sais que le premier volume s'est plutôt bien débrouillé, en même temps avec Lisan qui a poussé le manga, la grosse pub qu'il y a eu, tout ça. Donc bon, forcément, il y avait des chances que ça se vende. Est-ce que ça va continuer sur la longueur? Je ne sais pas. J'ai pas encore lu Keiju, j'avoue que je suis moyennement tenté. Ça fait partie des gros titres hype, et du coup, ça me refroidit un peu, on verra à l'occasion. L'attaque des titans, character, donc bon là c'est un bonus sur l'attaque des titans. L'étrange Noël de Zéro, ok, donc là c'est pas l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est l'étrange Noël de Zéro, donc c'est direct, son chien fantôme. Mais alors sachant que j'ai pas encore vu le film, c'est prévu, faut que je le regarde, mais pourquoi pas. L'île aux escaliers, donc ça c'est les Moonlight, un truc un petit peu particulier de Delcourt Duncan, qui sont des titres assez déprimants je trouve, mais avec une histoire assez sympa. Donc lui, ouais, peut-être. J'ai pas encore vu le premier tome. La sorcière aux champignons. C'est mignon. C'est assez mignon. C'est
trois tomes en cours, c'est pas fini. Luna, la sorcière, habite au fond d'une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Les villageois la craignent et la fuient car ils ignorent qu'elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition, mais un jour l'amour vient lui jouer des tours. Ouais. Ma foi, pourquoi pas. C'est pas le speech qui m'intéresse le plus, mais à voir. Le Conte des Parias, volume 6. J'ai pas vu. Les Enfants de la Baleine. Oh, c'est pas fini cette série-là. Oh, alors c'est con, hein, parce que l'histoire et les dessins étaient super bien. Mais alors je trouve les personnages sans aucun charisme. Et ça me flinguait complètement l'histoire pour moi. C'est dommage, hein. Les Enfants de la Baleine, c'était vraiment un truc qui était prometteur et que j'ai totalement abandonné. Mon coloc est une gameuse, 8 hommes en cours, putain, c'est assez long. Takumi Satsuki est un joueur invétéré de Dragon Quest X, sachant qu'en plus au Japon, Dragon Quest c'est un peu un énorme symbole. Nous ça l'est pas autant, mais là-bas c'est énorme. Son personnage, la mignonne pomme d'air, fait régulièrement équipe avec Goro-san, un personnage masculin. Un jour Goro lui parle de sa recherche d'appartement. Takumi lui propose alors naturellement de partager le sien, mais lorsqu'il se rend compte, il est surpris de découvrir que Goro est une jeune fille très apprêtée. Je sais même pas ce que c'est dire apprêtée, mais je suppose que c'est très espiègle ou un truc du genre. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut être marrant. Lui, je pense que je me le prendrais pour le coup. Ça m'a l'air rigolo. À regarder. Mushoku Tensei, volume 15, mais bien évidemment que je vais le prendre cette série-là, qui avance toujours très bien. D'ailleurs, qui, si on se compare avec The Resident Evil Hero, qui, clairement, je me suis fait un peu chier. Excusez-moi, la journée a été longue. Je suis mort. Excusez-moi. The Resident Evil Hero, j'ai beaucoup plus de mal à me remettre dedans. Là, j'avoue que Mushoku Tensei, ça avance toujours bien. L'animé voilà, n'a pas encore attrapé le manga, mais voilà, le manga est exceptionnel. Et je vous le conseille énormément. Orient Samurai Quest, volume 12. Pas encore lu celui-là. J'avais fait la sortie en plus. Je crois que j'étais encore à Momi quand il sortait. Ou alors peu de temps après, mais je me rappelle l'avoir vu en magasin. Princesse Détective, volume 13. Pas lu. Sao Tome, volume 6. J'ai totalement abandonné la série. J'ai lu les deux tomes. J'ai pas accroché, j'ai abandonné. Shadow House, volume 7. J'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien les lire. C'est vrai que les Shadows me tendent bien. Ça sort assez lentement, j'ai l'impression, cette série-là. Shangri-La Frontière, volume 3. Alors lui, c'est pareil, hein, des titres qu'ils ont mis beaucoup de pognon pour en faire la pub. Et c'est pas mauvais. Je le mets pas dans les gros hits de Malan, mais Shangri-La Frontière a le mérite quand même d'être sympa et d'être pas prise de tête. Il se passe des trucs, c'est mouvementé, il y a de l'action. Je vais pas être mauvaise langue sur lui, il est cool, Shangri-La Frontière. Mais il méritait pas autant de pubs, je trouve. Tanya the Evil, volume 16. Ça, c'est pareil, ça fait partie des séries que j'aimerais beaucoup continuer. Le problème, c'est que je sais plus du tout où j'en suis. Et comme Tanya the Evil, c'est très particulier puisque c'est beaucoup d'explications, c'est dur de se rappeler où est-ce que j'en étais. C'est pas comme d'autres séries où tu peux te rappeler en un coup d'œil, ouais, je sais que j'en suis là. Non, il faudrait vraiment que je revoie, pas que je relise tout, parce que à relire tout ce serait vachement long, mais que je revoie au moins, je crois que j'étais au 10e tome plus ou moins, il faudrait que je revoie du 7 jusqu'au 10, voir où est-ce que j'en étais exactement, et continuer la série, parce que c'est une série que j'adore. Tanya the Evil, c'était une pure merveille. Terrarium volume 4, pas vu, dernier tome en plus de la série, The Quintessential Social, Quintuplets volume 13. Série très sympa, j'ai vu l'animé, j'aimerais bien continuer sur le manga à l'occasion, mais bon, pire, je peux les piquer à ma série, vu qu'elle les a. Voilà, ça me fait un achat en moins pour l'instant. The Witch of the Beast, pas lu pour le coup. Toilette Bunanako Kun, volume 6, pas lu également. Je suis assez tenté, je suis curieux sur celui-là. Trinity 7, il faut que je rattrape parce que Panini a enfin relancé la série. Et j'aimerais bien pouvoir me remettre à jour. Je suis plus ou moins à jour, je crois que je suis au 18 ou 19e tome. J'ai pas un gros retard sur la série. Une si belle couleur, terminée en deux tomes. Et là, on a les deux tomes qui sortent en même temps. C'est du Akata. C'est du Pika. J'aurais du Akata pour le coup. Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin, est soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'art plastique et a perdu l'estime de ses camarades. Afin d'éviter toute confrontation avec eux, elle n'a pas d'autre choix que de fuir et mène sa scolarité dans une grande solitude jusqu'au jour où son lycée accueille un nouvel élève, Eimu, ce beau mystérieux franco-japonais. Oh, un franco-japonais. Ce serait marrant de voir tous les clichés qu'on a sur les Français, tiens. Blond aux yeux bleus. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de Français, je trouve, qui sont blonds aux yeux bleus. Hein. C'est plus une ethnique et blond aux yeux bleus en général. Repère tout de suite la jeune fille terne et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle. On n'est pas des si chauds lapins que ça, si.
Bon, un peu quand même. Non, mais là, c'est pas c'est pas juste, je veux être ton ami, c'est la relation intime, moi j'entends ça, hey, on va aller très loin tous les deux. Mais quand c'est peu sûr d'elle, Aya ne semble pourtant pas prête à ouvrir son cœur meurtri. Mais en vrai, pourquoi pas? Surtout en deux tomes, ça peut être sympa. Même si là, pour le coup, les dessins sont un peu particuliers. Ah, mais d'où tu vois un français comme ça? C'est pas français, ça. C'est. Là, c'est le cliché quand même du beau gosse absolu étranger. Windfighter volume 3, c'est un manga français, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je crois que j'en avais vite fait entendu parler, j'ai pas trop regardé. Yuna de la pension Yoragi, dernier tome de la série. Il faut que je la rattrape, c'était une série qui était exceptionnellement bien dans le type Ponsu. Et on n'en a pas beaucoup en France, donc me dire qu'il y en a une qui vient de se terminer, bah ça fait mal au cul. Mais on en aura d'autres, on en aura forcément d'autres. Android Type 1, volume 1. C'est bien un peu de SF, ça fait longtemps que j'ai pas vu de la science-fiction qui a terminé en 3 tomes. C'est un peu chiant ça. Yugo Sawatari est un jeune employé de bureau. Un beau jour, il est tiré au sort et gagne un essai d'une période de 90 jours pour un Android Type 1. Commence alors pour lui une nouvelle vie avec son automate qui baptise Yui. Dans le même temps, alors que les enquêteurs de l'APA, l'association de protection des androïdes, récupèrent les robots abandonnés. Illégalement en ville, celui-ci se retrouve nez à nez avec un type 1 errant. D'accord. Pourquoi pas? J'aurais préféré que ce soit un peu plus long que 3 tomes, mais pourquoi pas. Assassin's Creed Dynasty volume 3. Je crois que j'ai lu un seul Assassin's Creed en manga. C'était pas mauvais, mais pas exceptionnel. City Hunter Rebirth volume 9, donc là c'est un spin-off, j'ai pas lu. Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème, j'ai pas lu la série pour le coup, j'ai lu que Fly moi, Dragon Quest, la quête de Dai. Elle n'entre pas celle de mon mari, dernier tome, putain dernier tome, quand je vois là où est-ce qu'on en est dans la série, j'ai du mal à me dire qu'on est au dernier tome, ça fait bizarre. C'est une très bonne série au passage, mais là du coup je me tâte un peu, je prendrai le dernier tome bien évidemment, mais c'est vrai que ça fait bizarre. La danse du soleil et de la lune, volume 1. Nouveau tome, 3 tomes en cours. Pour un samouraï, l'honneur est le plus important que tout. Konosuke aspire à vivre selon les valeurs de sa caste, mais un secret honteux l'en empêche. Le métal se tord à proximité de sa peau. Le métal se tord. Oh putain, c'est violent. Impossible pour lui d'utiliser la moindre lame. Ouais, effectivement, pour un samouraï, c'est. Hormis celle de son sabre en bois, oui, c'est pas métal. Avec un tel handicap, Konosuke ne peut prétendre à un travail digne de son empire. Il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles. C'est pas sa faute. Seul et désargenté, il n'a plus qu'un seul désir, mourir honorablement par le sabre. Il provoque ses pairs en combat, mais son pouvoir éclate leurs lames. Roué de coups et jeté dans une rivière, il glisse lentement vers la mort quand il sent une étrange présence féminine. Il se réveille chez lui, hagard et déboussolé. C'est alors qu'un vieil homme difforme frappe à sa porte pour lui annoncer qu'il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante. Qui est-elle et pourquoi l'a-t-elle choisi, lui, le samouraï raté? Bah, étonnamment, ça pourrait un peu plus me tenter. Les mystères idylliques de l'hiver. Encore du lézard noir. Wow, la couverture, elle est creepy par contre. Pas de résumé. Bon, bah, ça en sera pas. C'est terminé en 2 tomes. Histoire courte, mystère psychologique. J'aime pas quand c'est des histoires courtes. Vraiment, j'aime pas. Nous avons Siren Rebirth, volume 5. J'ai pas lu. 10. Dites. Ouais, volume 10. Ok, je sais pas ce que c'est exactement celui-là. Volume 3, pardon. Volume 3 et dernier tome de la série Bucket List of the Dead. D'ailleurs, c'est marrant qu'on en ait déjà là. C'est très cool que la série continue, qu'arrive bientôt parce que le 3 ça fait pas si longtemps et je l'attends avec impatience. C'est une super série qui mérite d'être beaucoup plus connue. C'est enfin une série de zombies qui arrive à sortir de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de séries de zombies qui sortaient. J'aimerais bien faire limite une vidéo spéciale sur un de ces 4 parce que c'est dommage. Le zombie, on a presque rien en France. Alors au Japon, je crois pas que ce soit mieux. Enfin, que ce soit mieux, si, il y en a forcément plus. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de mangas de zombies pour le coup. Deep Sip Aquarium Magmel, volume 7. J'ai un peu abandonné la série pour l'instant, mais j'aimerais bien soutenir Vega, parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Kakushi Goto, bah tiens, justement, c'est une série que j'aimerais reprendre chez Vega, c'est Kakushi Goto et Peleliu que j'aimerais bien finir, puisque la série vient de se terminer il y a peu de temps, si j'ai pas de bêtises. Très très bonne série. Secret of Magic Stone volume 3, dernier tome, ça je n'ai pas lu. Sexy Cosplay Doll volume 7, bon, en plus il y a l'anime qui sort en ce moment, donc double raison. Enfin, j'aimais déjà le manga avant, mais là je vais encore plus le prendre. Non, je le prendrai, c'est sûr. The Red Rate in Hollywood. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié que c'est vrai que c'est aussi Vega, ça fait. J'avais oublié. J'ai lu les premiers tomes de cette série là, qui étaient pas mal, franchement, qui étaient sympas. Aniki, la légende du sang maudit, deux premiers tomes.
sais pas ce que ça va donner, ça. J'ai l'impression que c'est un titre qu'ils vont vouloir en mettre beaucoup en avant. Violence modérée. tu hérites du sang d'un démon. Shiki Ichinose est d'un premier abord un simple ado rebelle, mais il se trouve qu'il est l'héritier du sang d'Oni. Ce dernier a vécu toute son enfance et en ignorant s'il était vraiment. C'est lorsqu'un inconnu tente de l'assassiner chez lui qu'il se voit révéler la vérité par son beau-père. L'homme qui tenta de s'en prendre à Shiki est un Momotaru. Les Oni et les Momotaru n'ont jamais pu coexister et ils ont toujours mené une guerre sans fin. Que fera Shiki après toutes ces révélations? Pourra-t-il se réconcilier les Oni et les Momotaru? À voir, ok. Pourquoi pas. Ensuite, donc là il y a le 2 qui sort en dedans, on a le coffret, et on a Yu Yu Hakusho volume 3 Star Edition. Je prendrai l'édition de base, elle existe encore donc je la prendrai. Et on finit avec Zetai Karen Children. Et je sais qu'il y a beaucoup de titres qui sortent quand même ce mois-ci. Elfenied qui sort déjà, oui. J'adore, il y a beaucoup de trucs qui... Ça, le mois, regardez, le mois de février, ça va être de quoi faire. Enfin bon, c'était tout pour cette semaine, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.